Salut à tous et toutes. Donc, la suite de objectif 100 000 push-up, 100 000 pompes. Voilà, donc là, ça s'améliore, hein, le petit matériel. Voilà, donc ici. Donc, un carnet de notes de façon à noter le nombre fait. Voilà, comme ça au moins je risque pas d'oublier, d'être dans le doute. Voilà. Au moins comme ça, quand c'est noté, c'est clair et net. Ben, comme disent les hommes de loi, donc les avocats, etc. Eh bien, ce qui est écrit reste, et ce qui est dit disparaît. Voilà. Donc, mieux vaut noter les choses. Voilà. Et là, j'ai surélevé donc l'appui, hein, pour les pompes, donc en 3 points, c'est-à-dire ici pour les pieds et là pour les mains. Voilà, alors l'avantage là, eh bien, c'est que le fait que ça soit surélevé, eh bien, c'est comme pour les pompes sur les poings. Eh bien, ça permet une plus grande amplitude, ou alors aussi sur des poignets au sol. Donc, ça permet une plus grande amplitude, donc un meilleur travail. Voilà. Et puis aussi, en compète de strict workout, puisque les push-ups peuvent faire partie, enfin font partie de en compétition, donc donc du strict workout, eh bien on se sert d'appui comme ça, et avec au niveau des mains un élastique. Voilà, un élastique donc que l'on doit donc on doit se baisser suffisamment pour l'affleurer, pour arriver au niveau du plastique, mais de l'élastique, mais sans le toucher. Voilà. Donc, comme là, je prépare pas de compète, hein, donc là, je vais pas mettre d'élastique là, mais bon, c'est le même principe. Voilà. L'avantage avec ça, avec ces plots, c'est que je vais pouvoir. Ben, c'est un moyen de faire de vraies pompes, au sens d'officiel, comme dans les comme dans les compètes. Voilà. Donc là, je vais tâcher d'appliquer le même principe, hein, c'est-à-dire abaisser le thorax juste à ce niveau-là, et en essayant d'avoir le dos bien droit. Parce que justement, c'est ça que l'intérêt des vidéos, c'est que ben, dans les vidéos précédentes, je me suis rendu compte que j'ai le dos qui n'est pas assez droit. Normalement, les jambes sont bien dans l'alignement du dos. Alors que moi, je suis un peu comme ça, là, au lieu d'être comme ça, bien droit. Donc ça, c'est à rectifier. Voilà. Donc là, eh bien, le compteur est à 150. Voilà ce que l'on peut dire, hein, signifiant par rapport aux 100 000 à atteindre. Donc là, ben là je vais donc je peux en faire beaucoup.
Donc là, je vais arriver à 50, enfin faire 50. Donc le compteur devra être à 200. Voilà, donc là je ne vais pas en faire beaucoup, c'est à que 50, mais je vais tâcher de les faire en une seule fois, en une seule série. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Bah comme je faisais avant avant mon problème à l'épaule. Voilà. Voilà. Donc ça serait bien. Si je pouvais les faire les 50 d'un seul trait, ça serait bien. Voilà. Bon, et bien c'est parti. Je suis même pas arrivé à faire les trottes. Même pas. Là, j'en ai fait que 25. Seulement 25. Bon, ben ça chauffe vite là. Oh. 25 seulement. Ah, c'est pas vrai. Bah, c'est pas en 25 par 25 qu'on va les atteindre, hein, les 100 000. Hein. Bon, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, ça sera pour forcément une d'après, de faire d'un seul trait 50 et puis davantage ensuite. Il est important de bien s'oxygéner. C'est pour ça que je me lève, hein, pour mieux m'oxygéner. Tenir, surtout, peuvent tenir longtemps dans l'effort.
c'est pas pour rien que les baleines, par exemple, ont les muscles, la chair, hein, le steak, rouge foncé, presque noir même, tellement que c'est rouge foncé, parce qu'elles sont plein d'oxygène. Voilà. Et que comme le milieu aquatique étant 800 fois plus dense que l'air, eh bien il faut développer une force musculaire énorme pour se propulser, évoluer dans ce milieu. Voilà, c'est pour ça que les mammifères marins ont des muscles énormes. Et pas que les mammifères d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc voilà, ça permet de beaucoup de puissance, bon plein d'oxygène, et bien sûr, pour les mammifères marins, ce qui est fondamental, c'est avoir une bonne réserve aussi d'autonomie sous l'eau grâce à l'oxygène. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse. Bon, là je. Voilà le temps de parler là. Je pense que je me suis bien réoxygéné pour pouvoir faire l'autre moitié. Voilà. Allez.
15. Ouh, voilà, ça y est. Là. Donc 50. Voilà. 15. 50. Voilà. Donc là, le compteur est à 200. Depuis le début. 200. Donc il en reste 99 800 à faire. Voilà. Bon, eh bien, la reprise est franchement difficile. Après un mois et demi, on pourrait même dire, je pourrais même dire 2 mois d'arrêt, de strict workout, et même de sport tout court. D'arrêt forcé, hein, à cause de l'épaule. Bon, j'ai pas été voir les blouses blanches, hein, pour régler ce problème. De toute façon, si j'avais été, je pense qu'il m'aurait dit la même chose. Il m'aurait dit, en plus de me fourguer des tonnes de médicaments inutiles, il m'aurait dit, bon ben ça, arrêt, hein. Arrêt obligatoire, hein, pendant X temps. Voilà. Pendant 2 mois, même plus peut-être, il m'aurait dit. Voilà, bon. Donc là, j'espère au moins que, à défaut d'avoir fait les 50 enfin, en une seule fois, ben j'espère quand même avoir une meilleure position, hein, c'est-à-dire avec un dos dans le prolongement des jambes. Voilà, donc j'espère que ça s'est amélioré. Ben là, c'est en visionnant cette vidéo que je le verrai. Voilà. Voilà les collègues sportifs. Enfin, je présume, hein, sportifs, hein, sinon, vous ne serez pas tombé sur cette vidéo. Ou du moins des futurs sportifs. Voilà. Au cas où ça pourrait en motiver certains, quelle que soit sa condition ou son âge. Bon, eh bien, à plus, c'était Tolric.